Bonjour et bienvenue à tous dans mon studio créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. On va faire ensemble le mois de décembre. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'utilise mon journal comme un carnet créatif plus que comme un carnet pour m'organiser ou suivre mon travail. Mon carnet, c'est vraiment un loisir, je l'utilise pour dessiner, écrire, passer de bons moments ou me détendre. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire le mois complet avec vous et de vous montrer comment je le mets en page, comment je le dessine de A à Z. J'espère que ça vous plaira. Je commence par dessiner la page de garde avec comme thème les clémentines et les étoiles. J'adore utiliser des notes de couleur sur mon bullet journal car je réutilise les chutes de papier de mon atelier Paperin Studio. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser des formes orange pour symboliser l'ombre des clémentines. Ensuite, je viens dessiner ma page pour mon Habits Tracker. Ce mois-ci, j'ai décidé de recopier la mise en page que j'avais faite pour le mois de novembre. Et là, les soucis arrivent. Pour ma première vidéo, il fallait bien que je rencontre quelques problèmes. Ma caméra va bientôt se couper car il n'y avait pas assez d'espace mémoire. Mais ne vous inquiétez pas, le joli motif d'orange que vous voyez en ce moment, je vais le refaire au complet dans les semaines suivantes. On passe maintenant à la première semaine du mois de décembre. Pour la mise en page, j'ai décidé de faire tout simplement un rond par jour. Thank you.
Je mets maintenant en page les semaines 2 et 3 du mois de décembre. Voici le motif qui a coupé, qui revient maintenant. Donc pour faire ce motif, je place mes ronds pour les tranches d'orange, je dessine les étoiles pour la badiane. Il faut dessiner d'abord ce qui est au premier plan, donc ici c'est la cannelle et la badiane, puis ensuite on vient dessiner les tranches d'orange dans le fond, et enfin, pour parfaire le tout, on vient avec un feutre plus gros remplir les espaces vides entre les tranches avec plein de petites étoiles. Je viens couper le déroulement du mois pour faire une page très importante pour moi. Une semaine avant la fin de chaque mois, je prends le temps de réfléchir à mes envies et à mes idées pour le mois suivant de ce bullet journal. Je fais donc cette page de notes pour noter mes idées et aussi faire mes premières esquisses. Thank you.
Et voilà la dernière semaine de décembre qui arrive déjà. Je vais repasser en temps réel pour vous faire la revue du mois. Et voilà ce joli mois de décembre. Je suis trop fière d'avoir trouvé le temps de faire cette première vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que mon thème et mes dessins vous ont plu. Si c'est le cas et si vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram Perrine Bonheur et compagnie, qui s'affiche maintenant en haut à droite. Si vous aimez cette vidéo, il faut mettre un pouce bleu, me laisser un commentaire et aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines. En attendant, prenez soin de vous et soyez créatifs. À bientôt !